Très clair là-dessus. On a cherché un citoyen pays nous qui est capable de diriger le pays de manière inclusive. Parce que le problème que nous avons constaté dans la société noire, c'est que bizarre, c'est que malheureusement, la société haïtienne, pour arriver à créer une situation côté tout haïtien senti impliqué, côté tout haïtien senti mis dedans, côté tout haïtien senti que la profiter de la société noire, profiter sérieux, mais côté tout haïtien senti que l'y engagé dans la société noire, société noire. Si gens malheureusement toujours des exclusions, ça a toujours grandi injustice là-dedans. Eh bien, ça a toujours été la démarche du président de la République de s'entourer de personnes prêtes à faire atterrir sa vision, qui est une vision inclusive, qui est une vision de mettre de côté l'injustice. Et nous toujours parlons de ça, mais surtout avec plus d'inclusion de monde qui a participé, qui a contribué avec nous qui sous pouvoir et bien développer un pays. Sur mon président identifié d'Edol, on l'a identifié dans la société civile, dans le secteur privé ou dans le secteur politique là. Moi, je pense qu'au niveau de loi pays, nous, comment choisir un premier ministre qui existe, c'est président lui-même qui peut faire choix de mon nom, mais les manières sont bien dites. Donc, et président tout, il va le mettre à l'écoute, il va le rencontrer le Parlement, il va le rencontrer des secteurs de la nation, il va le temps des propositions et propositions. Il pourra faire comparaison avec ça lui-même, il gagne en tête lui pour justement et finalement lui proposer et des personnalités et une personnalité pour vivre dans tête pays. De toute manière, il n'y a pas de capacité de consulter. Est-ce que le bail est en temps, en deadline, pour mettre d'accord sur nous, pour désigner le nouveau premier ministre haïtien? Président, très, on doit dire, conscient de la situation actuelle pays noir, et moi, je pense que l'idyl au sein de son discours, côté que du côté de l'exécutif, eh bien, nous pas printemps, du côté de l'exécutif, nous connaît et qui j'ai une situation et sans tête chaud, quand même, sans piquer devant, sans marcher pressé qui parle là, que nous nous cachons pour nous battre devant, nous prenons temps qu'il faut, mais un temps assez rapide quand même, pour nous identifier. Et personnalité ça et puis définitivement pour nous présenter la nation et pour à partir de l'identification ça reste processus la fête parce que les gens nous connaissent si président lui-même il vient pour identifier en personnalité mais c'est pas décision finale là revient effectivement au Parlement côté Mounsa il pourra le présenter devant le Parlement et pour le Parlement accepter ou pas donc première étape ça nous-mêmes nous la donne nous la marché pressé à nous l'a identifié nous l'a cherché nous l'a compté rencontrer nous l'a coûté pour effectivement nous présenter et pour lui-même l'autre processus là lui-même il a fait. Pendant ça et le ministre Lafontaine a guidé les affaires courantes à tout le gouvernement. Nous on doit dire que ça fait partie des lois de notre pays, de notre constitution. Le premier ministre a deux façons de ne plus être premier ministre, soit il présente sa démission ou bien il y a un vote de non confiance au niveau du parlement et qu'est-ce qui arrive à ce moment-là? Eh bien justement il y a pour obligation pour Jean Dilla pour liquider les affaires courantes avec son gouvernement. Et je reconnais, nous avons affaire à des hommes et à des femmes d'État. Et nous avons affaire à des gens qui ont bénéficié et du respect et de la confiance du président de la République. Le premier ministre Jacques Guy Lafontaine continuera à liquider les affaires courantes jusqu'à ce que le processus normal constitutionnel baille un remplaçant à Jacques Guy Lafontaine, donc un nouveau premier ministre dans tel pays. Alors, question qu'on a posée tout, généralement, le nouvel SAO, l'étude disponible sur les réseaux sociaux, vu ça jusqu'à présent, par national, pas publié les démissions. Fontaine, nous parlons pas marché pressé, nous parlons tête chaude. La lettre est là, elle sera publiée au moment où il le faut. L'essentiel, c'est que le premier ministre Jacques Guy Lafontaine n'est plus premier ministre, il est démissionnaire, mais en tant qu'il est en train actuellement de liquider les affaires courantes, tout comme la constitution le prévoit, nous sommes en train de faire la démarche qu'il faut pour avoir ce nouveau premier ministre. C'est dans cette nouvelle étape que nous sommes. Alors, je suis même de content parce que tu es passé le matin. Merci infiniment. Et puis, une souhaitée prochaine fois, c'est mon nouveau premier ministre. On va venir avec lui. Et là, ça, on va regarder qui ça n'a pas comme disposition pour que l'Irivé joue une bénédiction de branche par le bien sûr, on t'a remercié, Serge Gignot, par rapport à la possibilité ça, qu'on va nous pour nous expliquer à la population. Et bien, maintenant, quelle nouvelle étape que le président de la République a lui-même lié par rapport avec déroulement tout événement ça
yo que pays a nous connaît et n'a profité tout saluer peuple haïtien pour courage li pour force li et inviter li Jean président dit dans discours éviter choisir mon loi dit de manière violente pour exprimer li la démocratie veut quoi la démocratie veut l'expression la démocratie veut la manifestation mais dans le respect des lois et de notre constitution nous saluons peuple haïtien hein, et puis nous dit qu'elle fait pas la guerre il y a un président qui compte responsabilité et qui a toujours agi dans le sens développement dans le sens bien peuple haïtien.